Bonsoir, bonsoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment prendre soin de son mari, comment prendre soin de son homme. Pour prendre soin de son homme, premièrement, vous devrez savoir que les hommes sont comme des enfants. Oui, vous devez comprendre que les hommes sont comme des enfants parce qu'ils ont besoin d'amour, d'affection et du conseil. Oui, et pour cela, vous devez être trois personnes. Donc, vous devez jouer trois rôles. Le rôle de mère, de maîtresse et de femme. Oui. Le rôle de mère. La mère, c'est celle-là qui donne de l'amour, l'attention. Donc, elle vous montre que à tout moment où vous avez besoin d'elle, elle est là. Donc, elle se rassure que vous avez tout ce que vous avez besoin pour être à l'aise. Donc, elle se rassure que vous ne manquez de rien. Et même s'il y a manque, elle va toujours te montrer que non, même s'il n'y a pas, tu n'as pas, ce n'est pas grave. Tu peux avoir tes choses pour remplacer. Donc, je ne sais pas. Vous savez comment les mamans font. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle te montre que non, mon enfant, comme tu vois, si tu n'as pas ci, tu peux avoir l'autre. Donc, tes mères te montrent d'affection, l'attention. Elle te montre que non, même si tu as n'importe quel problème, à tout moment, elle est là pour toi. C'est ça le rôle de mère. Vous devez faire ça avec votre mari. Mais à la seule différence est que il n'y a pas le bâton de commandement. On n'a pas dit, vous allez lui dire, pardon, fais-moi la vaisselle, pardon, lave-moi les habits, là, fais-moi la lessive, parce qu'on vous a demandé de jouer le rôle de mère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous devez faire tout à votre mari comme à vos enfants. Mais la seule différence est que vous ne devrez pas le commander. Oui. Maintenant, le rôle de maîtresse. La maîtresse, c'est celle-là qui détourne votre mari. C'est celle-là qui détourne votre mari. Parce qu'elle est toujours à jour, toujours belle, toujours sexy. Donc, le jour où votre mari va rentrer, donc ici, le cas-ci, c'est le cas de surprise. Donc, vous êtes une femme au foyer. Donc, vous allez faire une surprise à votre mari en jouant le rôle de maîtresse. C'est-à-dire, vous allez enlever le visage de la femme trop sérieuse là, vous mettez de côté. Vous enlevez le visage de la mère trop parfaite là, vous mettez de côté. Et puis, vous entrez dans l'habit d'une prostituée. Donc, vous jouez le rôle d'une prostituée. Vous savez, la prostituée de votre mari. Je n'ai pas dit vous passez faire les choses dehors et vous venez dire que c'est Olivia Semba qui a dit ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit pour votre mari, vous le faites. Vous gardez votre foyer. Vous devez vous habiller. J'ai dit habillement, à moitié nu, bien coiffé, maquillage, talon. J'ai dit talon. Peu importe votre style de talon, mais pourvu que ça soit bien haut. Comme si, je ne sais pas, comme si tu allais à quelque part, à une soirée, vraiment, un peu un genre. Mais c'est pour rester à la maison, pour accueillir votre mari. Parce que la maîtresse, c'est son rôle, c'est ça qu'elle fait. Parce que je vous ai toujours dit, la maîtresse donne ce que vous, les femmes de maison, vous ne donnez pas à votre mari. Parce que la maîtresse, c'est celle-là qui fait tout son possible. Donc, elle fait tout pour avoir votre mari. Et pour ça, elle met toutes ses batteries en marche. La maîtresse là, quoi que vous n'avez pas rien. Alors faites ça pour garder votre mari et votre foyer. Oui. Faites ça pour garder votre mari et votre foyer. La maîtresse, c'est celle-là que, quand elle récupère un homme, elle fait lever tous ses tendons et ses nerfs. Sa tête se mélange comme ça. Il ne comprend plus rien. Sa tête se mélange. Il ne comprend plus rien. Il tremble, on dirait électrocution. Oui. Tellement, il va être, donc, il va se sentir dans un truc qu'il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est comme ça que, quand il va rentrer, il va voir, tu seras bizarre, tu seras un genre, et il va dire, ah, celle-ci fait même quoi. Il va sortir pour aller retrouver celle-là. Parce que celle-là connaît. Elle connaît ce qu'il faut faire pour attirer l'homme. Donc, du genre qu'il rentre, il arrive à la maison comme ça, tu l'accueilles avec un baiser, un câlin, tellement sexy, bien parfumé. Il dit bien parfumé, tu l'accueilles.
Et puis, tu enlèves sa veste. S'il n'a pas de veste, tu prends son sac. Tu prends son sac, tu le fais asseoir. Tu lui fais un peu de petites caresses, un peu de partout, en lui demandant comment s'est passée sa journée et tout, en faisant des trucs bizarres. Et puis, arrête ça. Et puis, tu entres dans la chambre avec lui, tu tamponnes ton mari. Oui, tu tamponnes donc, tu fais du jas, il va se poser avec ça va, mais la femme s'est bu quoi aujourd'hui, elle a mangé quoi. Donc le jas, il te méconnaît, il dit que mais, celle-ci encore, c'est toujours la même femme que je connais ici depuis là, tu fais ça. C'est pas le jas où chaque jour les mêmes positions là, non, tu changes de position, fais tes recherches, tu changes de position. Tu donnes ça autrement. Tu ne fais plus un coup, tu moi. Non. Plus les mêmes positions. Tu te couches seulement, tu comptes le plafond et puis tu t'élèves. C'était bon, c'était bon. Tu fais les choses en grande. Tu fais les choses. Donc, tu l'allumes comme ça et dis que yes, maman. Aujourd'hui, là, je te confirme. Donc, chaque après même 2, 3 jours, même une semaine, donc, tu restes sur sa chose. Tu sais qu'il a oublié. Tu refais encore. Tu refais encore, tu refais encore, ainsi de suite. Et là, le rôle de mère, le rôle de femme, autant pour moi, le rôle de femme. La femme, c'est celle-là qui doit être la complice, la sœur et le soutien de son mari. Oui. Tu dois être la complice, la sœur et le soutien de ton mari, l'ami de ton mari. Donc, tu dois jouer avec lui comme ton ami. Vous devez faire tout ensemble. Donc, déjà que ton mari ne te cache rien, il sait que non, ici, il peut mentir à tout le monde, mais sauf à toi, il ne peut pas te mentir. Il sait que ici, là, si je pose tel problème, elle va me soutenir, elle va me conseiller, elle va me faire ci, elle va me faire ça. Donc, la femme, c'est celle-là qui rend son homme heureux. Donc, avec toi, il est heureux. Il est vraiment heureux. Il est vraiment heureux. Donc, tu me trouves. Il est vraiment heureux. Il est vraiment heureux. Donc avec toi, il se sent épanoui. Il est à l'aise. Même quand il est au travail, sa tête est à la maison qu'il faut que je rentre retrouver ma femme. Partout où il va, s'il faut inviter quelqu'un, c'est toi qui va mener avec lui. Il ne peut partir nulle part avec toi. Quand il rentre là, tu l'accueilles. Chérie, tu es rentré, tu donnes un baiser, un câlin, tu le fais asseoir, tu détaches les chaussures en apprenant aux enfants. Et là, quand ils rentrent, les enfants courent par-ci, bon, si vous en avez, pour enlever ses chaussures et tout, là, ils se moquent que, ouh, ici, là, je suis couvert d'amour. Et puis, quand il est sous la douche, vous dressez la table. Son repas est prêt et chaud. Oui, son repas est prêt et chaud. Vous dressez la table. Quand il finit de prendre son bain, il vient s'asseoir à table, il mange. Pendant qu'il est en train de manger, vous êtes assise auprès de lui, en train de lui caresser les cheveux pendant qu'il mange. En lui posant des petites questions concernant sa journée. Quand elle est en train de manger. Quand vous faites ça, mes chéris, même si le sel a dépassé dans la nourriture, il va te dire que la nourriture est bonne. Mm-hmm. Même si le sel a dépassé, il va te dire que la nourriture est bonne. Donc, vous vous asseyez en caressant ses cheveux, lui demandant comment sa journée a été, avec un petit torchon à main ou un petit lotus pour nettoyer ce qui tombe un peu de partout. La sauce peut sauter, ou ça peut tomber sur son habit, ou à côté, vous nettoyez ça. Vous l'accordez de l'attention, l'amour, tout. Les hommes, eux, ils aiment ça. Vraiment, les filles, mais les femmes, les hommes, eux, ils aiment ça. Quand ils finissent de manger, quand ils passent au coucher, tu débarrasses. Tu débarrasses la table et tu arranges ses effets pour demain matin. Donc, tu classes tous ses habits, ses chaussures, son sac et tout, comme tu le fais pour les enfants. Tu fais aussi sa part. Tu fais aussi sa part. Sauf au cas où il va se lever. Bon, si l'habit ne lui plaît pas, il va changer pour porter un autre habit. Ça dépendra de lui. Tu fais tout comme tu fais pour tes enfants. Donc, tu peux aussi lui faire aussi des cadeaux. Tu peux aussi lui donner des cadeaux. Bon, il ne faut pas avoir l'habitude que c'est l'homme qui doit donner à la femme. Non, même la femme aussi peut donner à l'homme. Oui, la femme peut aussi donner à l'homme. Donc, tu lui fais des petits cadeaux. Soit les bermudas, les tricots, les chaussures, pourquoi ne pas? Vous achetez ça pour votre mari, n'attendez pas toujours que c'est lui qui vous donne des cadeaux. Vous aussi, vous pouvez donner à votre mari. Mm-hmm. C'est votre, lui, vous pouvez aussi donner à votre mari. Vous achetez un bon truc, un beau truc, vous emballez, pardon.
ne partez pas acheter un truc dans le plastique, tu viens avec ça comme ça, hein, et acheter ça pour toi. Vous emballez ça bien, vous mettez même dans un cadeau. Vous faites ça comme cadeau, vous emballez ça bien. Vous dites, j'ai acheté ceci pour toi, bébé. Il dit, qu'est-ce que c'est? Tu dis, non, c'est une surprise de tâches. Toi-même, tu vas voir ce que c'est. Et puis, il te dit aussi merci. Si c'est un homme gentil, il va te retourner la faveur. Même s'il ne te retourne pas la faveur, tu l'as aussi fait comme ça. Tu peux aussi faire donc du genre où, si des surprises que peut-être il est en train de se laver sous la douche, il se lave. Toi aussi, tu te déshabilles. Tu te déshabilles, tu le retrouves à la douche. Surprise, pam! Tu tapes ces noyaux-là comme ça. Quand le pénis se lève, ma chérie, tu te tournes, tu lui donnes ça à la levrette. Sous la douche, il garde le coin. Sous la douche, il garde le coin. Là, 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 il garde le coin. Maintenant, tu sors. Si la maison a plusieurs pièces, tu peux arranger. Peut-être qu'il y a la chambre des enfants, ta chambre et la chambre des invités. Tu peux arranger la chambre des invités. Tu mets les jets de lumière un peu de partout, les fleurs un peu de partout. Avec une petite musique, il y a les petites oufers là partout. Tu mets avec une petite musique. Tu arranges ça bien, bien, très bien. Et puis tu l'appelles. Que pardon, viens voir un truc. Dès qu'il arrive là, pas que tu fermes la porte. Pour passer une belle soirée d'amour entre vous deux. Une belle soirée d'amour. Vous avez compris, mes copines? C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que vous devez prendre soin de votre homme. Au cas contraire, il va s'en aller où? Oui, il va faire ce qu'il veut. Mais ceci, c'est pour les hommes valables. Pour les hommes qui le méritent. Parce qu'il y a les hommes avec qui ça ne vaut même pas la peine. Donc, pour le faire, faites avec l'homme qui vous considère, un homme qui vous aime, un homme qui fait tout pour vous. Parce qu'il y a les hommes là, il n'a pas dit vous rencontrer un voyou qui n'a même pas de sens, qui ne vous gère même pas, il ne sait même pas si vous existez même. Tout ce qu'il rentre, si vous avez préparé, il mange et puis il se couche là-bas, il dort, il ne sait même pas ce qu'il faut faire et tout. Donc, avec le genre, c'est là, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Ça, c'est pour les hommes valables, les vrais hommes. Les vrais hommes qui connaissent la valeur de leur femme. Ah oui. Vous avez compris, mes copines? C'était bon pour aujourd'hui. Ciao, ciao. À bientôt. À bisous. Je vous aime tous. Ciao, ciao.